Guillaume, hey Guillaume, 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 Ah. Guillaume, ça va bien? Enfin, ça peut pas aller mieux. Mais qu'est-ce qui te rend aussi bonne humeur? Admire sur ta gauche. Non, non. Non mais alors là, je comprends pas tes ricanements. Non mais cette femme est ravissante. Ah, mais je me moquais pas d'elle, hein, je pensais à autre chose. Ah, ok. Non, tu me rassures. Ouais. Je vais aller la voir, mais je préfère y aller seule. Ah mais aucun souci, je te la laisse. Bon, tu me rassures. Non, parce que t'es un sacré séducteur et avec toi, la concurrence, elle aurait été difficile. Oui, bon, faut que j'y aille, j'ai un rendez-vous. Mais Ok. plus tard, Guillaume. Ouais, c'est ça, plus tard. Ben, je le connais, il va revenir à la charge. Moi, j'ai peur de rentrer bredouille de ma pêche à la sirène. À moins que. Bonjour mademoiselle. Bonjour. J'ai une déclaration importante à vous faire, mais c'est un sujet un peu délicat à aborder. N'essayez pas de me draguer, j'ai horreur de ça. Ah non, 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 pas du tout. Je suis inspecteur de police et je traque un dangereux criminel. Ma vie serait-elle en danger? Non, rassurez-vous, vous êtes sous ma protection. Un psycho bien connu de nos services va essayer de vous accoster pour vous violer. Et ensuite, il risque de vouloir vous tuer. Mais c'est un fou dangereux! Oui, mais avec moi, vous n'avez rien à craindre. Et pourquoi cherche-t-il à me faire du mal? Eh bien, parce que c'est à cause de la couleur de vos cheveux. C'est incroyable. J'ai donc le profil idéal pour être sa victime. Oui, il s'en prend toujours à de jolies femmes. Non. Cet aliéné commence par les séduire, ensuite il les invite à prendre un verre chez lui. Mais surtout, il ne faut jamais céder à ses avances. Que leur fait-il subir comme sévice? Ce monstre commence par les attacher, ensuite il les déshabille entièrement, et l'horreur commence. Je suppose qu'il viole ses victimes? Oh, s'il n'y avait que ça! Non, ce sadique leur fait subir les pires atrocités. Il se contente pas seulement de les fouetter, il prend aussi un malin plaisir à brûler leur poitrine. Et il va même jusqu'à leur crever les yeux avec des aiguilles à tricoter. Il est monstrueux. Et encore, j'ose pas vous raconter toutes ces tortures dans les moindres détails, sinon vous risquerez de ne plus vous endormir avant quelques jours. Vous pensez que je serais horrifiée à ce point-là? Ah, j'en suis persuadé. Heureusement que vous êtes là, hein. Sinon ma vie serait en danger. Oui. Avec moi, aucun risque. Mais pourquoi il est devenu un monstre? Eh ben, c'est à cause de sa sœur. Qu'est-ce qu'elle lui a fait subir, celle-là? Bon, d'après les aveux du serial killer, c'est une vraie diablesse. Lorsqu'ils étaient enfants, elle s'amusait à jouer à la coiffeuse. Et il était pas rare qu'elle lui coupe tous ses cheveux jusqu'au dernier. C'est odieux. Cette gamine s'amusait à attraper des araignées là, toutes poilues, là, et elle lui courait après pour l'effrayer. Quelle petite Oh peste. oui. Et aussi, la nuit, elle se mettait un drap sur la tête pour se faire passer pour un fantôme, pour l'effrayer. Bah oui, je comprends maintenant pourquoi monsieur est devenu un psychopathe. C'est une bien triste histoire. Ce serait pas le fameux serial killer qui est derrière vous? C'est lui? Oui, mais heureusement, je suis là. Je suis là. Il n'a pas l'air dangereux malgré sa petite peste de sœur. Bon, vous voulez dire cette pétasse, ouais? Hein? Ah! Mais qu'est-ce qui vous prend? Je suis la sœur du psycho. Deux? Il paraît, Tristan, que tu es un redoutable serial killer. Ouais, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, non, non, c'est rien. Je t'expliquerai. Je t'ai fait une petite plaisanterie. Non, non, mais il ment. Il a voulu te faire passer pour un fou dangereux. Ah, mais je comprends ses raisons. À chaque fois que nous essayons de séduire la même fille, c'est toujours moi qu'elle préfère. Et Guillaume rentre chez lui, seul, célibataire.
Je comprends pourquoi monsieur est mythomane. Oui, mais Estelle, il ignorait que tu étais ma sœur. Donc, quand il a décidé de te draguer, il a inventé toute cette histoire de fou dangereux. Vous savez, Guillaume, que vous êtes le plus grand malade mental. Ouais, enfin, comment ça? Vous êtes le plus dangereux des mythomanes, alors que Tristan est le plus inoffensif des psychopathes. Allez, partons. Non, mais... Mademoiselle! Mademoiselle!